s'appelle Mark Shuttleworth et qui s'est dit, moi, je suis devenu super riche en vendant des certificats sur Internet. Je vais repartir de la meilleure distribution qui existe et vraiment faire en sorte que ce soit utilisable par les gens lambda. Ce gars, Mark Shuttleworth, il a développé Ubuntu. Plus de 6 ans que Ubuntu existe, c'est un système d'exploitation, c'est un truc qui remplace complètement Windows ou macOS. Ça permet d'exploiter son ordinateur de A à Z, lancer un traitement de texte, un tableur, aller sur Internet, gérer ses photos, ses vidéos. Ubuntu, c'est entièrement composé de logiciels libres. Il n'y a pas de licence. Vous êtes libre de le copier, redistribuer autant de fois que vous voulez. Prenez un CD ou une clé USB, vous le copiez, vous le distribuez. Il n'y a aucune licence. Il n'y a pas d'histoire de piratage. L'intérêt principal, c'est déjà, premièrement, de ne pas avoir de virus. Deuxième chose, c'est le contrôle de mes informations. Avec Ubuntu, je sais que mes informations sont en sécurité. Ça ne va pas les envoyer petit à petit à une personne à l'autre bout d'Internet. Puis c'est un logiciel libre, je participe moi-même en installant Ubuntu à faire en sorte que le logiciel libre prenne un peu plus d'ampleur, vu qu'il y a des notions qui me plaisent dans le logiciel libre et qui sont importantes pour moi, quoi. J'ai fait quelques Ubuntu parties, mais là j'étais intéressé par la formation Blender. J'ai envie de m'y mettre et ça me paraissait un bon point d'entrée. À mon sens, c'est vrai que pour moi l'informatique ça doit être accessible d'un point de vue simplicité et d'un point de vue argent. Et c'est vrai qu'en ce moment ça tourne un petit peu n'importe où sauf dans cette direction-là. Et je pense qu'effectivement Ubuntu, enfin, du moins les logiciels libres, Linux et toute cette philosophie-là correspondent plus à ça. Et puis bon, Ubuntu Party, ça sert aussi à, bon, techniquement, faire des choses que je ne peux pas moi-même faire, puisque j'ai pas la connaissance technique, en fait. Donc on montre un petit peu, on m'apprend des petites choses. Je connais Ubuntu, enfin, je ne suis pas encore utilisatrice, mais je connais effectivement. Je suis venue parce que je travaille sur des projets de création de sites et de choses comme ça, et donc je suis venue pour rencontrer effectivement des gens qui sont dans cet univers, parce que c'est tout ce qui est libre me paraît fondamental dans les projets que j'ai envie de faire. En fait, j'avais un vieux PC que je devais réparer, dont le Windows ne fonctionnait plus, et puis bon, ça faisait un moment que je tournais autour et que je me disais je voudrais bien essayer Linux, et puis donc je suis tombé sur Ubuntu en faisant une recherche sur le net, et en plus j'ai entendu une émission, c'était Là-bas si j'y suis, de France Inter, de Daniel Mermet, qui avait fait un reportage sur la Ubuntu Party. Et donc quand j'ai vu qu'il y en avait une ce week-end, on est venu de Blois spécialement pour venir voir et découvrir et poser nos questions. Ubuntu, c'est quand même un beau projet d'essayer de démocratiser Linux de manière simple. Les enfants, les parents, les grands-parents, les entreprises, les particuliers, il faut que tout le monde voit que Ubuntu, ça peut être utilisé. C'est des jeux natifs Linux. C'est-à-dire qu'il y a un installeur qui est fait pour Linux. Comme vous installez d'habitude, vous cliquez sur un .exe pour Windows pour installer. Là, vous avez un script d'installation qui va vous faire l'installation sous Linux facilement et simplement, et ça marche. Ubuntu est libre et gratuit, il le sera toujours.